Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Alors, ça fait un bail. Ça fait un bail que j'ai pas joué à cette partie, ça fait 2 bonnes semaines. Donc je refais juste un point, ok, on avait pris Nemozos, on avait fait mal au... Zarverne, on peut améliorer nos unités, entraîner de nouveau. Oh, des cohortes légionnaires. Oh la vache, ah ça c'est une bonne unité en plus. Ah tiens, je peux améliorer ici. Hein. En légat, c'était pas des légats, ok, c'était ceux qui étaient extraordinaires. Très bien, j'ai pas des troupes. Ah, mais on avait pris Bibracte aussi, ok. Entraîner de nouveau, hein, forcément, on va pas se faire prier. Je vois qu'il y a quelques unités pictonnes qui traînent. J'ai pas décidé de les garder. De les garder en vie ici, exprès. Pour pas qu'ils puissent reconstituer leurs unités facilement. Il y a un truc comme ça. Hop, allez, on va faire un atelier ici et un forum public. Très très bien, là on a des Pictons qui arrivent dans le coin. Ah vache, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà fait tout ça. J'espère pas. Ah non, d'accord, c'est parce que j'ai les casernes de la Légion que j'ai débloquées, ok. Ok, bon, bah, tant qu'à faire, on va développer toute la voie de gestion. Ok, on vient de débloquer cette technologie, ça c'est bien. Par contre, ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte la peau des fesses pour parler poliment. Ah, j'ai toujours pas ça, hein. Alors que je le fasse, les manœuvres stratégiques. J'ai toujours pas développé mes unités. Face enfin, cette amélioration, ça serait dommage quand même de la laisser non développée. Ok, Cupide, c'est bien fait ta vie. Les légions, on va les développer. Entraîner de nouveau. On a une corde d'évocative. Oh, ça aussi, ça. Ça casse des fesses hein, pour parler poliment. Ah, il y avait une sécession. Ah! Donc il me disait, bah c'est bon, c'est tranquille par là. Non, pas du tout. Heureusement que je suis passé dans le coin. Donc, combien d'améliorer? 4000. Oh, ça va, ça reste raisonnable. Ah, les gardes prétoriens, quoi. Ah, mais oui, j'avais débloqué les gardes prétoriens. Oh, le jeu va être facile à partir de maintenant. Non, c'est pas ça. Hop, est-ce que j'ai la portée? Oui, j'ai la portée pour aller directement sur Ebora. Avec mes gardes prétoriens. Oh. Ils ont quoi, eux? Juste des petits prétoriens. Ils ont la cavalerie prétorienne, quand même. En vrai, ça, c'est fort. On va continuer le siège. On va pas s'embêter. Et on va aller prendre Olisipo aussi. Combien de temps pour le siège? 5 tours. Ah, ouais, quand même. Ah, ouais, quand même. Ok. Là-bas, on avait une nouvelle flotte. Réentraîner de nouveau. Je sais pas ce que ça a fait, mais je peux réentraîner. Ah, si. Corde d'évocative, ok. Là, il y a Pergamon. Il y a les jettes. Ah, les jettes, ils sont loin. Tiens, je croyais avoir fait le tour des provinces. Oh, j'avais dû oublier, c'est pas grave. Je peux pas. Pas... Ah non, non, j'ai non maximum d'armes élevées. Hein. Ok. Là, ça me pille. Je vais attendre un petit peu que la troupe soit reconstituée. Non, on va avancer petit à petit. Oh, le niveau. Ça fait plaisir à voir. Il y a eu quelques pertes. Oh, oui, ça doit être en prenant la ville. Là, ah, je vais essayer d'aller chercher les arvernes, tiens, hop, améliore-toi aussi un coup en passant.
Forcément, il a réussi à se barrer. Au niveau de Brest. On va passer le tour. Où est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que tu vas foutre là? Ah oui, d'accord, pour voler de la nourriture, je suppose. Encore la Roxelon et City. C'est où ça? C'est dingue. Les Picton. Bah non, les gars, en fait, vous passerez pas, quoi. Et quoi, des guerriers fidèles? Ouais, c'est bien. Des bretteurs d'élite. Une guerrier fidèle qui. Ça peut être embêtant. Moi, j'ai des cohortes légionnaires, quoi, maintenant. Pas grand-chose face à la puissance de Rome. Tiens. Bon, il n'y a pas de son. Attendez, il n'y a pas de son. Je vais vous mettre le son. Ah oui, il n'y a pas de son. Ouais. Ça devrait revenir. Dès que ce sera chargé, ça devrait revenir. Donc une alliance Picton-Arverne. De toute façon, les Arvernes, les pauvres, ils n'ont plus rien à perdre. Ouais, du son. Alors. Ah, c'est toujours cette carte-là. Oh, je suppose qu'ils viennent de là. Ouais. Fils de Mars! Infanterie de mêlée. Désordre, commandant. Paré. Cohorte légionnaire. Tous de fiers romains. Infanterie de mêlée parée à votre service. Vos ordres. Cohorte légionnaire. Plus moins que plus. À peu près comme ça. Brave romain, sans exception. Je vais placer les 4 là qu'on prend assez cher. Comme ça. Et ils vont attendre les unités. Hop. Romain prêt à faire leur devoir. Non, pas toi, tiens. Là. Baliste. Il y a du bazar. Hop, à gérer. Et vous là-bas. Cohorte légionnaire. 4, ça devrait être suffisant. J'ai des balistes à savoir quoi en foutre. Je vais mettre dans le coin là, comme ça. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup en fait. J'en ai beaucoup plus que prévu. Non, mais je vais les mettre comme ça et puis on verra ce que ça donne. Hop, là on sait que ça passe dans le coin. Là, où est-ce que je pourrais mettre ça? Ici en soi. Hein. La cavalerie, je la prépare à sortir, prendre un peu la hauteur. Brave Romain, sans là, j'en ai rien à secouer, désolé, elle est là. On va voir qu'est-ce qu'il me reste. Ah, mon général. Ça peut être pas mal de planquer lui. J'espère qu'il se prenne pas de coups. Romain prêt à faire pas de tir perdu. Lui, je vais le mettre là. Fils de Mars. Cette unité, je vais le mettre là en renfort au cas où ça passe, s'il permettra de temporiser un peu. Et là, il me reste 3 unités. Pareil, je vais les garder de côté. En cas de problème, leur but, ce sera d'aller rapidement à la source du problème. Justement. Hop, déploiement, on prend la hauteur pour essayer de choper un peu la vision. De voir d'où l'ennemi va arriver, d'où les ennemis vont arriver. Plus important encore, nos dieux romains nous regardent. Ne leur faites pas honte. Non, j'avais cru voir bouger. Ça n'était que le vent. Ouais, je les vois pas. S'il y a des renforts, je ne les vois pas.
C'est aussi l'inconvénient d'avoir la minimap, de ne pas avoir la minimap plutôt. Non, je vois pas du tout. Qui vont venir de là, eux. Je vais laisser tant que je vois pas d'unité. La cavalerie, elle est vue. Nous les tuerons tous. La cavalerie, elle est vue par les unités ennemies. Je sais pas par où. Je m'avance. Est-ce qu'il la voit encore? Ah, ok, il passe par là finalement. J'ai pas entendu les renforts, non? Peut-être par la forêt, hein. S'ils viennent par la forêt, ça se peut que je les vois pas. Hein. Ah, ma cavalerie, ok, là, ma cavalerie n'est plus vue, donc y a personne dans cette, on va dire, dans cet environnement, dans ce coin-là. Ouais, pour moi ils viennent de la forêt alors, les renforts. Et où? Ouh, j'en sais rien. Ah non, ils sont pas là. Hein. Là, je vois personne bouger. Ça en est presque terrible. Fiant. Les unités qui viennent de là. Ah purée, ils sont là. Je les ai pas vus. Je suis vraiment naze. Artillerie de campagne en attente d'ordre. Je leur ai demandé de changer de sens. Même vitesse. Et de faire favonte. Le bordel que ça fait. Ouh là là là. Je sais pas comment ils s'arrangent pour changer de sens, mais ça a l'air compliqué leur histoire. Ça a l'air vachement compliqué. Ok, bon, ils arrivent. Ça va être des. Ah, ça va être de la cavalerie qui va arriver, c'est pas très très grave. Cohorte légionnaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre des cohortes de légionnaires? Unité très lourde. En quoi? Oh, ils sont pas entraînés donc ils vont peut-être prendre une petite charge là. Plutôt efficace. Baliste. Ils peuvent pas faire ça. Ah non. Ah non, non, en effet. Pas encore. Ils peuvent jusqu'à là-bas quoi. Ça ne saurait tarder. Il n'y avait pas d'autres troupes ennemies qui. Ça sert à rien. Ah ça y est, ça balance. Ah, on a vu que ça touchait là. Les encombrements font des pertes. Bien, balancez-moi tous les cailloux là. Ah, notre cavalerie. C'est assez lourde, mais bon, il y a un petit club. Merci. Un bon petit club. On va moquer de leur truc sur l'écran. Il y a contact. C'est un général. C'est un général, il y a un autre général derrière. Et encore un autre général derrière. Ah bah super, ça fait 3 généraux. Ils n'ont pas aimé la blague. J'allais dire viser leurs généraux, mais il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y en a pas là-dedans. Il s'éclate bien. Est-ce que... Je vais bien faire un tir de barrage ici, mais je sais pas... Le passage, attendez, il va tout se passer. Je sais pas, mais si jamais ça marche... Non, ça fera mal, mais...
Alt. Et je sais pas si je peux les faire tirer là. Je sais pas si c'est... Non, même pas la blague. Arrêtez. Ici peut-être. Non plus. Ici. Ah, peut-être ici alors. Donc ils se retournent, etc. Oui. Alors la cavalerie. Hop, je vais la mettre là. Je vais la mettre à la marche, hein, le temps qu'ils arrivent, les unités ennemies. On est tranquille. Alors où, par contre, général. Je vais décaler. Cavalerie avancée. Romains prêts à faire leur devoir. Allez, sur le côté. Au pas de course. Infanterie de mêlée. Et eux également. Même vitesse. Toi, tu vas prendre sa place. Même vitesse. Tu parles au cas où. Alice. Bon, ça va, je suis prêt. Deux fois que je lui demande de... Ah, il a encore un général qui tient. Hein. Romain, prêt à faire leur devoir. Infanterie de mêlée barrée. Cher, hein. Suis. Cohorte légionnaire. Je me méfie hein, de cette unité, hein. Elle perd énormément de troupes là, je sais pas comment. Elle est fidèle, hein. Brave Romain, sans exception. Les gars, pour Rome. Non, je vais l'avancer. Gardez la vitesse. Rien. De mêlée parée. Cohorte légionnaire. On va les laisser s'avancer. Il fait je sais pas quoi avec sa cavalerie. Ma cavalerie, je vais l'envoyer là-bas. Vite maintenant. On va aller chercher justement cette unité là qui est ce projectif. Je ne sais pas, ils sont là. Tous de fiers romains. Cohorte légionnaire. Je vais prendre la place de la cohorte. Au pas de course. Vraiment pas cher. Brave Romain, sans exception. Après, organisez-vous les gars. Gardez la vitesse. Nous avons soit 200 et 2 batailles. On va revenir ici. Cavalier, en avant. Non, je... Choper cela. Il y a un bouchon. Que Jupiter me donne la force. On va laisser s'avancer. Il n'y a plus de munitions. Tiens, bouchonne là, c'est ça, comme d'hab. Ils ont pris un GPS chemin le plus court, mais Nous les tuerons tous. Non mais bah non, en fait, je sais pas, vous avez pas compris le principe, vous êtes à pied et... Enfin... Non. Il y a un bouclier, ouais, tu m'étonnes. Ouais, je sais pas ce que... De légionnaire. On va s'approcher petit à petit... Alors, petit, on va s'approcher. En avant. Merde. C'est pas bon, il va lâcher ses javelots. Lui. Bon, après, tu me diras. Cavalerie de mêlée, mais surtout, j'ai de la légion qui arrive derrière. Donc, s'ils se retournent pas sur ma légion, ils vont se prendre des. Ils vont se faire fumer, en tout cas. Hop.
cavalerie pour la Légion. Je vais pas dire non. Il se retourne, mais c'est trop tard. Allez, 2, 3, 4 unités là qui seront de ce côté-là, je vais les envoyer là-bas. Porte supériorité numérique. Hop, les mecs. Essayez de partir. Essayez de battre en retraite. C'est un peu la galère. Qu'est-ce qu'ils ont cru, là, les jeunes Celtes? Cohorte légionnaire! Au pas de cours! Dispersez-vous, lancez vos pylônes sur eux. Fils de Mars! Dégommez-les un coup, ils vont comprendre de quel bois se chauffent les Romains. Hey, les mecs, on se barre là. Cohorte légionnaire! Brave Romain, sans exception! Et on avance, on cherche le contact avec Rome. Tous de fiers romains, séparez-vous. Oui. Général, Legio Parati. Non, les... La loi vous attend. Oui, oui, peut-être. Ne capitulez jamais. En avant. Hop, alors, vite maintenant. Qui est pas loin. Fils de Mars. On cherche le contact. Cohorte légionnaire. On va aller sur le côté. Cavalerie qui décide de rester au corps à corps. Ah bon? Très bien. Je te tiens. Malgré les ordres, c'est pas très grave. Tous de fiers romains, en marche. C'est moi ce passage là. Troupe de mêlée en attente. On va les faire avancer. Même vitesse. Repliez-vous! Repli, maintenant! Un repli. Les engagements! Sur son général. Cohorte légionnaire! Les gars! Je n'aurais pas aimé la blague. Cohorte légionnaire! C'est. Ouvrez pour la gloire! Séparez-vous! Repliez-vous! Voilà. Même vitesse. Infanterie de mêlée. J'ai dominé. Cohorte légionnaire. Repliez-vous. Laissez pas prendre la place. Séparez-vous. Oh non, ça ne passe pas. Infanterie de mêlée, parée. Repli, repli, maintenant. Romain, voilà, prêt à faire leur devoir. Cohorte légionnaire. Repliez-vous. Fils de Mars, prêt pour vos ordres. Brave Romain, sans exception. Cavalerie. On peut bien envoyer faire une petite charge. Hein. Cohorte légionnaire, en cadence. Changer les places. Une charge de cavalerie là. Marc Atros. Guerrier paré. Il n'a pas aimé la blague. Chasse à l'homme. Il va faire des dégâts. Quand même, je fasse. Cohorte légionnaire. Au pas de voilà. Moins défaillant, tu m'étonnes. Fils de Mars. On va chercher des lanciers d'élite. Oh, on va chercher la bête. Cousin. Quel chemin ils vont décider de prendre? Au pas de course. On va chercher cela là. La mort à cheval. Que Jupiter me donne la force. Hop, charge dans ça. Ils sont confiants, pas longtemps. Aux ordres. Cohorte légionnaire. Rome est notre mère à tous. On va renvoyer eux. 44, oui. Général. Pour l'honneur et la gloire. En avant. Avancez!
c'est d'aller commandant, au contact. Commandant, à votre service. Booster le moral comme il faut. Parez la cavalerie, plutôt que faire des bêtises. Replacez-vous. Merci. Oui, là, au début, elle a toujours pas. Là, faut que mon petit charge là, c'est pas d'avoir juste à faire avec lui. Ouais, perdre le moral. Hop, on peut accélérer, je pense. Ouais, la cavalerie, je vais même lui dire allez, foncez là comme ça, casser les lignes. Oh, tu parles d'une charge. C'est magnifique. Ouais, il y en a toujours un de là-bas. De la courte les légionnaires qui traînent là-bas. Okay. Avez-vous des ordres, chef? Oui, j'ai un ordre. L'ordre, c'est. C'est quoi la blague? Mais non. Cavalerie! Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Oui, tout le monde le tue. Tout le monde sur lui, voilà, c'est mon nouvel ordre. Lui, il va voir. 200 cavaliers lui foncer sur la tronche, il va dire oh, c'était une blague. On rigole, on rigole. La chose. Infanterie de mêlée. Allez, en avant. Hop. Elle est poussée s'il se retourne. On fait avantage. Cohorte légionnaire. Vive à l'attaque. Voilà. Troupe de mêlée. Attaquez leur avancée. C'est pour la gloire. À la fond. C'est bon, il n'y a plus de. Il y a de demandé, tiens. C'est quoi? Allez chasser de. Allez chasser du. De l'arverne là. Comment tout le monde se barre. Voilà. Continue juste histoire de lui faire de la perte. Avec un peu de chance, il se reconstituera pas. Hop là, non, non, par contre, vous les gardez, j'ai compris. Arrêtez votre volonté. Voilà. Et moi là. Général. Hop. Quelques-uns là-dessus. Quelques-uns sur lui. Il ne devrait pas y avoir des masses de survivants. C'est le but recherché, je dirais. Voilà, ça c'est pas suffisant pour une petite tuée. Il y a pas, pas mal de pertes à cause de ces unités de bretteurs d'élite. Hein. Ouais. À moins que je faille du. Oula, va vraiment falloir que je fasse de la garde prétorienne. Et encore, je crois que les unités, les meilleures unités celtes sont plus fortes que la garde prétorienne. Là. Merci d'être passé, les Pictons, encore une fois, et d'avoir emmené ton allié Arverne à sa perte. Venez, Arverne à sa perte. Petite bataille sympa.
Ouais, bah oui, voilà. On peut en entendre parler bientôt, les Arvernes. C'est une très bonne chose. Allez, je vais vous laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je propose de me retrouver très bientôt pour... J'espère... la fin des... des Arvernes et... Ouais, on va dire du... Du défonçage en règle de Picton. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.